Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees. Apis mellifera. Such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue à tous dans ce 19e épisode de Sherlock Holmes Crime and Punishment. On enchaîne avec la 5e enquête, un vol de fleurs à Kew Gardens. Et avant ça, je vais tout de suite caresser le chien Toby. Oh dear Toby, I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Ah ouais, en effet, d'accord, très bien. Bravo Toby, bravo. Gentil chien. D'accord, ok. Bon, ouais, clairement, on a des abeilles. C'est génial. Attendez, je crois que j'ai reçu des lettres. Prendre. Tac. Monsieur Holmes, je vous informe par la présente que l'affaire du manoir de l'abbaye, qui a eu lieu il y a près de 6 mois, fait toujours des remous parmi la haute société et demeure l'objet de nombreuses rumeurs. Le caractère romantique de l'affaire a attiré de nombreux prétendants disposés à recueillir Lady Brackenstall sous leur aide. À ce jour pourtant, celle-ci purge sa peine en compagnie de sa femme de chambre Teresa et a refusé toute proposition d'aide. En toute honnêteté, je pense que la véritable motivation de ces prétendants tient plus au titre et à la fortune de Sir Eustace. Quel est votre avis, Monsieur Holmes? Bien cordialement, inspecteur Lestrade. En effet, on a résolu à nouveau cette affaire. Tac, le manoir de l'abbaye. Nickel. Et on a quoi comme souvenir? Une fourchette. Fourchette en argent. Très bien. Allez, go! On est reparti. Oui. Mais j'ai déjà lu la lettre, c'est bon. Go! On va à Kew Gardens. Ça va être une affaire de plantes, ça va être trop bien. Petit café pour tenir la route. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Ou en fin de semaine, hein, tout dépend comment vous regardez cette vidéo, j'y pense. Ah, c'est terrible ça, c'est ce qu'on appelle des pièges temporels. En gros, le principe du piège temporel, c'est de vous induire en erreur si jamais vous regardez la vidéo en dehors du moment où la personne dit que c'est tourné, bah en gros, ça peut être vachement déconcentrant quoi. Bonsoir, alors que tu regardes la vidéo en plein jour. Bonjour. Oula. J'ai des petits soucis de chargement. C'est assez... Non, c'est bon. J'ai un montage qui est en train de se terminer, donc peut-être que ça a provoqué quelques perturbations. Bon, le plus important, c'est que on puisse avancer. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful, but are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Ok. Très bien, très bien. Web. Alors du coup, là, on a des arbres, on a... Ah, d'accord, ok. Direct cinématique, très bien.
m'étais tout de suite parti à enquêter. Just go and get a bucket of fertilizer, and without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the deputy director of Kew Gardens, and that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glasshouse. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glasshouse. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally two students, Albert, whom you have met, and Miss White. Si c'est comme ça qu'il traite ses stagiaires, bah ouais, clairement, c'est le stagiaire qui a volé les plantes. There it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glasshouse. Holmes? Yes. Just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Un meurtre. Étrange. Étrange. Ok. Et bah, du coup, commençons à enquêter. Avertissement. Do not touch. De ne pas toucher. The plants were here. All of them were stolen. Elles ont toutes été volées. Hein. Direct, hein. Liste des plantes. Alors, qu'est-ce que nous avions ? Here is a list of the stolen plants. Ok, donc on a un indice. Une liste de plantes exotiques volées durant l'exposition de Kew Garden. Dionaea carnivora, Carlina inabriare, Florem diabolica, Chromolaena odorata. Ouais, bref. Je suis très mauvais en latin, hein. J'ai perdu tout mon latin après le collège. Là, nous avons un tuyau d'arrosage, très intéressant. Ici, nous avons des plantes, plein de jolies petites plantes. C'est très sympathique tout cela. Oh, un couloir. Des bouquins ici. Water lily greenhouse. Serre des nénuphars, d'accord. Graphique. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ok, lumière. Alors ça m'a l'air quand même méga grand. On va terminer chaque pièce indépendamment l'une de l'autre. Watson qui reste toujours dans les parages. Merci Watson. Ici nous avons une douche. Là il y a des flacons. Là il y a une boîte. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Ah. Ok,
observer attentivement pour trouver les détails remarqués que les autres ne savent pas voir. Empreinte de pas. Oh. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Ok, repartons. Prendre deux pas, là il y a des éclats. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Intéressant, donc il y a quelqu'un qui a fait tomber un pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Mm-hmm. Donc on a un pot qui a été cassé. D'accord, très bien. Donc le pot et puis les traces de pas. Ça voudrait donc dire que l'homme qui est mort a été attaqué. Et là, ah, le pot cassé. This pot was broken fairly recently. Nickel. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Et ensuite, il a été mal rangé. La porte. Oh la vache. This door handle is new. It was recently changed. Donc là, panneau abîmé. The door was smashed at shoulder height. Ok, tac tac tac. Et écoinçon cassé. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the colonial collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection room. Ça, examiner la collection coloniale, d'accord. Attendez, panneau cassé. The sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Très bien. Sang. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Uh-huh. F. Renverse le pot. Tombe sur la clôture. Alors, tout d'abord, il enfonce la porte. Ensuite, il renverse le pot. No, it wasn't like that. Enfonce la porte. Renverse le pot. Tombe sur la clôture. Ok. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the colonial collection room. He was in a panic. Or the door was locked. Was it an accident or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the colonial collection. Donc, on va pouvoir examiner l'autre salle, parce que j'imagine qu'il y a d'autres lieux à... Very strange. Half of the colonial collection is absent. Ah ouais. T. Ah, attendez. Mot là par terre. To the glory of the colonial empire. Ok. Grille de ventilation. This is one of the outlets of the ventilation system. Intéressant. Je regarde d'abord hein, tout ce que je peux avoir.
These plants come from all the territories of the British Empire. Australia, d'accord. Donc là, on va activer la vision. La vision, tout, 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 détergent. The smell is strong. It is a detergent. Ah. These windows were perfectly cleaned. Éclat de pierre. Qu'est-ce que? This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Alors, j'ai possibilité de créer, de faire du lien. Collection coloniale vidée, portant foncé. Autopsie Dune. La mort de Montag Dune est suspecte. En effet, pourquoi a-t-il forcé la porte de la collection coloniale? Pourquoi a-t-on nettoyé et vidé la salle? S'agissait-il d'un simple accident ou d'un piège? Une autopsie s'impose. Bon, on va fouiller tout. Et après, on ira voir l'estrade. Alors, attendez. According to this, they have... Dans certaines salles, d'accord. Donc ça, on l'avait déjà entendu. Allons voir par là. Ditropix, d'accord. Pousse-toi, Watson. Poussez-vous, Watson. Merci. Ah, purée. Mais insupportable. Cette IA, bon sang de bonsoir. According to this. D'accord. Donc, ouais, ça ne m'apporte rien de plus. Très bien. Bon, bah. Continuons. Oh. Bonjour. Non mais... Watson, pousse-toi, merci. Non, rien du tout. Là, il y a des pots. Cactus. Ah! These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is... Not from Kew Gardens. C'est un autre symbole, d'accord. Donc là, on a un indice supplémentaire. Ouvrir, d'accord. Dry tropics. Désert. Watson. Ok, et par là. There is a smell of burning. Oh. Ça sent le brûlé. Qu'est-ce que... Feu. Peau cassée. The symbol is not from Kew Gardens. Poignée de porte. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. The remains of a picture frame. A masque à gaz. A protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. Balai calciné. Reste de the plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned.
A broom handle was half burned. Ok, mais alors pourquoi avoir fait un feu? Quel est l'intérêt? Je comprends pas trop le lien. Carte de Kew Gardens. Ok. Donc, système de ventilation, la collection coloniale, on l'a vu. Director's Office, Cloakroom, laboratoire. D'accord. Donc, nous, on est au Ventilation System. Ok. Seed House, Nursery. Ah, la réserve. D'accord, ok. En fait, on est allé peut-être dans la mauvaise direction. Enfin, j'en sais rien. Je vous avouerai, là, je regarde un peu partout. Il y a des trucs. Je pense qu'il faut quand même tout explorer avant de... A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Il faut regarder un peu partout avant de tenter quoi que ce soit. Enfin, n'empêche, j'aimerais quand même parler à l'apprentice qui se comportait de manière un peu étrange. Locked. Ah, bah voilà. Ça commence bien. Il y a des lieux fermés à clé. Super. Ok. Et là, c'est fermé Locked. Aussi à clé. Ouais, d'accord. Tac. Locked. Oh purée. Donc on n'a pas accès à là non plus. Hop. Tac. Ok, on en arrive donc ici. Très bien. Alors, je réfléchis en même temps. Locked. Ouais. J'ai pas moyen, genre, de récupérer une clé, quoi que ce soit. Ok, très bien. Oh, très bien, Watson, si tu veux courir pour un rien, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, c'est joli, ça. C'est joli comme tout. Par là. Ah, voilà, la réserve. Can I help you, gentlemen? Oui. Vous pouvez nous aider, monsieur. Attendez, d'abord on fouille. On fouille partout, on regarde. S'il n'y a pas des trucs un peu intéressants. Là, il y a un livre. Là, il y a des affaires. Là, il y a des objets. Il y a un tas d'objets qui ne servent absolument à rien. On va lui poser quelques questions. Albert Dune. Vous travaillez ici? Ah, attendez. Non, d'abord, on va regarder. On va regarder le personnage. Les yeux rougis, a pleuré récemment, rongé par le chagrin. Coupure de rasoir. Cul. Hop là. Main propre. Ok. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I'm... Thank you, young man. We shall see you again soon. Uh-huh. D'accord, d'accord. Donc c'était juste ça. N'empêche, on sait donc qu'il fait des études pour devenir lui aussi botaniste. Alors, pareil, on va faire la même chose pour lui. Lunettes bon marché.
colle sale. Main de jardinier. Célibataire. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ah ouais, d'accord, le mec il veut locked. Carrément pas nous donner les clés. Mais t'inquiète pas, mon gars. T'inquiète pas, si t'as des trucs à cacher, locked. Ça va se savoir assez rapidement. Ouais, donc, cherche pas. On va se documenter, consulter les archives, et en plus, on va aller aussi voir un petit peu le cadavre. Mais d'abord, on va passer aux archives, afin d'en savoir plus sur la victime, peut-être, sur Kew Gardens. Hop, allez, on est parti pour les archives. Recherche. Plantes rares botaniques. Tec-tec, poison et toxines. Blessures et plaies, criminalistique, arts martiaux, marqués symboles. Matériel de jardin à Londres. Prunus seronita. Chlore. D'accord. Ah, attendez. Journaux. Non, ça m'a l'air. À moins que encyclopédie. Ouais, plutôt encyclopédie. Technologie, histoire, médecine. Botanique. Plante exotique. Myristica fragrance. Non, Nicotiana tabacum. Rien de tout ça. Allez, on va tenter là. Les plantes, ci après, ont en commun une certaine toxicité à des degrés divers. Dionaea carnivorea. Carmina, Florem diabolica, Prunus serotina, ok. Seules les trois premières peuvent se révéler néfastes pour l'homme, en particulier la Florem diabolica. Il faut toutefois réunir des conditions bien spécifiques. C'est uniquement en riposte à une agression qu'elle expulse des spores mortels. Ok, continuons. Le symbole du pot cassé. That is not the one I need. Marqué symbole. That is not the one I need. Symbole. That is not the one I need. Divin. Divin. Blessure et plaie. Poison et toxines. Chimie. C'est peut-être pas ça. On est sûrement sur l'encyclopédie. Art et architecture. Économie, technologie. Histoire. Médecine, botanique. Et... ouais. Non mais peut-être que c'était bien là-bas. Hein. Recherche. That is not the one I need. That is not the one.
le divin syndicat scolastique pour la vénération du végétal. Les membres du syndicat vénèrent Trewan, le dieu roi. Ils cherchent à atteindre la paix intérieure et à s'affranchir du matérialisme, d'où des donations très généreuses. Chelou. Et enfin, pour terminer, le symbole du pot de l'exposition. Kew Gardens, prouvant qu'il n'en était pas originaire. That is not the one I need. Alors, symbole religieux. Le jardin de Seymour, matériel et fourniture de jardin. Nous subvenons à tous vos besoins en matière de paysagisme, jardinage et élagage. Catalogue exhaustif, fourniture et livraison de sable, humus, paille, peau, etc. 3 Blurton Road, Londres. Ok. On a pas mal d'informations. On a pas mal de choses. Très bien. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire si ça vous fait plaisir. La prochaine fois, on ira faire un tour du côté de Scotland Yard pour examiner le corps. Et je pense qu'on va retourner à Kew Gardens pour poser davantage de questions à nos deux potentiels suspects. Merci à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Casu. Je vous fais des gros bisous. À ciao, bye.